Bon. Eh bah ben bonjour, bonsoir, bienvenue pour du Chantel 5, re pour le stream. Puis voilà, on enchaîne. On venait de faire le premier donjon, on devait aller voir la dame pour les calamarqueurs, c'est la porte de gauche. Ah non, il y a la... Il y a notre pote qui se repose, tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Regarde-toi un peu. Je traîne, c'est tout. On est en vacances. Tu sers à rien. Où est Bolo? Parti. Il est parti aller se chercher sa propre chambre. Pouah. Oh là, c'est la vitesse, ça fait plaisir. D'accord, elle est posée, elle est bien. Bah tant mieux hein. Où peut bien se trouver Tree Town? J'ai bien fouillé le littoral ouest, mais il n'y a rien là-bas. Du moins rien que mes yeux puissent voir. Explore les grottes. Chaque grotte pourrait renfermer un trésor précieux. Ne le répète à personne. J'ai vendu ma collection de cartes à des types d'Armor Town. Toutes mes cartes sauf une, la plus rare. Je veux bien te l'échanger contre des pépites. Apporte-moi 5 pépites aléatoires. Tu as mes 5 pépites, je crois que j'en ai que 3. Non, pas 5, non, 5, pas une de moins. Tu as combattu une plante géante? J'ai du mal à voir le lien avec le thème de l'eau. La fille avec les... D'ailleurs, comment la lumière a passé alors qu'on était au plus profond de la grotte? Bref. La fille avec des tresses trop cool est revenue. Ok. Bon. Elle était où, la dame des calamars? Là. Vas-y, fais l'effondre. Quid Smith à votre aide, à votre aise. Je prends ces adorables calmars en forme de cœur et je les fais fondre. Pour te donner plus de santé. Ouais, je lisais pas. Je les fonds, je crois. Prête à forger des conteneurs de cœur? Oui. Paf! Là, ton maximum de cœur a augmenté de 1. Ah non, de toute façon, j'en ai pas. Mais c'est bien 4. Si tu trouves un de ces calamars en forme de cœur, il y a une dame en ville qui en fait une bouillie délicieuse. J'ai vu un paragon de vérité, un vrai athlète, se diriger vers le pont tout à l'ouest. D'accord, tout le monde va à l'ouest. On a vu qu'il y avait une nouvelle dame à droite. Les rumeurs entourant cette ville pourraient-elles être vraies? Non! Quelle pensée idiote! Attendez, je fais juste un truc. Voilà. J'avais l'impression que le micro était un peu plus loin que d'habitude. Peut-être que ça change quasiment pas pour vous. Mais c'est juste le sentiment. Ce matin, j'ai vu une plante qui avait l'air si triste. D'accord. Voilà. T'as fait quelque chose? Tu lui as conté une histoire? Attends, c'était pas toi que je voulais voir. C'était elle. Bonjour, jeune fille. Laisse-moi me présenter. J'explore les profondeurs de la mer. Ma mission est d'étudier l'histoire de cette île avec mon équipage. Notre navire, le Metal Fish, est un submersible capable d'aller en mer profonde. Le poisson de métal. Il est ancré près d'une tranche, d'une tranchée au large de la côte côté est de l'île. Je veux découvrir les origines secrètes de la cité engloutie. Qui l'a construite et pourquoi? Pourquoi a-t-elle été engloutie? Et plus important encore, en faire-t-elle encore de la vie? Pour continuer mes recherches, j'ai besoin de formes de vie arthropodes. Quoi? Venant des hautes fosses du côté ouest de l'île. Et une autre que recueillie au niveau de la mer, idéalement côté est. Alors quand tu me poses la question, oui, je connais la différence entre l'est et l'ouest. Si tu trouves deux formes de vie à arthropodes, c'est peut-être l'objet que j'ai ramassé tout à l'heure. Apporte-les-moi. Oh, tu m'as apporté deux formes. Quoi? Mais j'en ai eu qu'une, non? Je peux avoir les deux si tu veux, vas-y, prends.
Oh non, tu en as apporté qu'une seule. Ah voilà, merci. Reviens quand tu en auras les deux. C'est bizarre qu'elles disent oh t'en as deux. Ouais d'accord. Donc elle a le point d'interrogation seulement quand tu as pas découvert le truc. Te revoilà. Tu as trouvé une pierre de fusion. Avec elle, nous allons pouvoir combiner notre magie et sauver Harmony et les autres. Eh ben non. Ouais non, elle dit pas autre chose. J'étais curieux, mais je me doute bien que ce genre de PNJ ne change pas. Ne change pas, tout simplement. Est-ce qu'il y avait un truc secret que je pouvais pas choper la dernière fois en allant ici? Je sais que tout à gauche, il y avait un truc à escalader que je pouvais pas, donc déjà ça fait un secret, mais là voilà. Calamar en forme de cœur. J'aime bien le jeu, il est bien nerveux hein, avec le dash et tout. J'ai l'impression que même notre perso il marche assez vite. Et de base il a attaqué vite. Ça, ça fait plaisir. Ouais, non, les trucs, ils tombent quand même dans l'eau. Ça, par contre, c'est relou. Donc ça, j'y ai pas accès, on est d'accord. Elle a dit exactement la même chose. Ah si, un peu d'haché à genouiller. Là on peut pas creuser. D'ailleurs fallait creuser dans l'autre donjon. Donc on y retournera quand on aura ce pouvoir là. Quand on aura tous les pouvoirs hein. Ah je peux pas y accéder. Ah non je peux pas y accéder. Je pense pas que je puisse y accéder avec un saut du pixel perfect. Non. C'était pas du tout du pixel perfect, mais il y avait encore une trop grosse marge, je pense, pour... C'est casser les côtes en descendant. Les hanches ou ce que tu veux. La partie que tu désires qu'il se casse. Donc ici, il n'y a rien. Je pensais que j'aurais accès à un nouveau truc, mais non. Pas que j'hésite à faire le dash. Pokeball. Donc là, la seule chose que j'ai comme parcours que j'ai pas fait, je présume que c'est la gauche, c'est ça? Carte. Ah, il y a aussi en haut, j'y suis pas allé. Il y avait un truc à droite? Je me souviens plus du tout. Dans la grotte, il y a un truc où je pouvais grimper. Bon, on verra. Ça fait du combien, ça? 2. Ça, c'est super fort. Faudrait que je chope ces améliorations. Bon, de toute façon, là, on va à gauche. On va chercher au moins le truc de l'ouest, là. Non mais à chaque fois je m'arrête pile poil sur l'ennemi quoi. Ok je peux pas y aller, faut un double saut. Faut un pouvoir électrique. Ça c'est celle qui disait qu'elle était maudite. Ah par contre ça arrête damnation là. Les activer ça? Non.
Ok. Ah, y'a Bolo. Quoi, il s'est fait sa petite tente et tout. Menacleis, d'accord. Je présume que c'est ça les deux machins qu'elle voulait, elle. Exactement. Il n'a rien qui... il ne reste rien dans la poubelle, juste de la peau d'orange à un vieux chewing-gum. Bolo, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi, tu as déjà oublié? Oublié quoi? Toi et Sky, vous avez eu la chambre avec la piscine. Mais moi et, ton oncle, on nous a collé ici. Plutôt cool. Sa schlingue! Tu sais ce qui nage dans ta piscine? Les filles! Vous savez ce qui nage dans la piscine ici? Des filles? Des parasites! Et je commence à me demander si c'est vraiment une piscine. L'eau est épaisse et ça sent la moutarde. Je vais faire un peu de trempette et quand je suis sorti, il y avait un truc sur mon pied. Je l'ai mis direct à la poubelle. Ah, c'est l'autre truc. Si jamais tu croises un médecin, montre-lui ce truc de la poubelle. J'espère que je me transformerai pas en une énorme pustule lancitante. Elle est stylée la chambre, je croyais qu'il avait construit ça pour s'éloigner de l'oncle. Par contre, j'ai pas compris, là, dans le coffre, c'est une bombe ou... La cuisse noire, là... Y'a des lingots au cas où. Quel sac. Un, je rate le piaf. Et de deux, je me prends une tarte derrière. Donc là, on était d'accord qu'il y avait rien. Ouais. C'était un truc que j'avais pas accès. Voilà, faut juste arrêter de rusher comme un dingue et voilà. Si je tue d'abord, je peux dasher après. Tiens, on va se reposer dans les sources. Je voulais écouter un petit peu la musique. Ouais. La prochaine fois, on s'arrêtera dans ce truc-là si on fait une pause. Et je pense pas. Ici c'était la zone des TP. Donc l'autre faut que j'y apporte les machins. Peut-être qu'elle va me donner une pierre de fusion en échange. Elle était dans la boutique. Oh. Ça fait super bizarre ses bras. J'avais l'impression qu'elle avait des tout petits bras sur le sprite. Pas sur l'image à droite. Pas sur le portrait, mais vraiment sur le sprite. Oh, tu m'as porté deux formes de vie anthropomorphe. Je peux anthropode. Tu as donné le béarnac. Merci. C'est alors, c'est incroyable. Comment deux créatures découvertes à des altitudes si différentes peuvent avoir tant de choses en commun. Cela doit vouloir dire que l'île en elle-même a connu un paquet de tumultueux. Peut-être que l'activité volcanique a fait couler l'île. Et ainsi, l'île a été arrosée de roches étranges qui ont été expulsées vers la terre, vers le ciel directement depuis les profondeurs de la terre. Des pierres comme celle-ci. Ah, voilà la pierre de fusion. Tu peux garder ça. Merci de ton aide dans mes recherches. Reviens faire un tour sur le Metal Fish à l'occasion. Ah, donc là, je vais débloquer le nouveau pouvoir. C'était quoi son pouvoir à elle? Oh, attends, ce ne serait pas une pierre de fusion, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Tu es prête à essayer de fusionner notre magie? Oui. Bon, n'en bouge pas, c'est l'heure de combiner nos magies. Il faudra que je vérifie si l'overlay dérange pas, mais vu qu'il y a une petite barre noire là en bas. Pas fait gaffe si elle était tout le temps là. Dansculteuse, cruteuse. J'ai les jambes qui ont la bougeotte. Nos pouvoirs sont maintenant combinés.
La danse de la voyante peut relever des choses qui ne seraient pas, qui seraient autrement invisibles à l'œil nu. Dans jusqu'à ce que l'icône s'affiche, puis appuie sur droite pour activer la magie. Et je sais, si on testait ça. Ok. C'est bizarre le dessin, mais c'était sympa. Ah, qu'est-ce qu'elle veut, elle? On peut bien se trouver Tritown. J'ai bien fouillé le littoral ouest, mais il n'y a rien là-bas, à moins que... Ah, voilà. Attends. Quand elle parle littoral ouest, c'était là où il y avait la maison de Bolo ou en dessous? Parce que je me dis si ça se trouve en dessous, maintenant j'ai accès. Et là, c'est le doute. Je viens de tilter que ouais, le jeu il est pas en full. Ah bah si. Bon bah je me tais. Non, en fait, il y a des zones où c'est pas en full screen. Dans les maisons sûrement. Dans 2 secondes, j'ai cru que en fait le jeu il avait pas le. Il avait obligatoirement les bandes noires de. Comment qu'il s'appelait le jeu sur PS4? Voilà, j'ai perdu la carte. Parce qu'elle tombe directement dans l'eau. J'ai Dishonored, mais c'est pas du tout ça. The Order. Les bandes noires de The Order. Vous pouvez se désactiver finalement à la fin sans changer le framerate. Il est juste que les joueurs demandent est-ce que finalement on pourrait pas enlever ça, c'est moche. Et ils ont fait d'accord. Ah, merci. Ouah, c'est stylé ça. On m'attaque avec une note de musique. Je ramasse ça. Hop, merci. Ah, les sirènes sont stylées. Prêt. Voilà, encore une carte de raté. Dommage, on peut pas la retirer. Une fois qu'elle est dans l'eau, elle est noyée à jamais. Y'a quoi là-dedans? Je peux pas, il faut nager. Et je ne peux pas nager. Allez, chargement. Ah bah Tritown, voilà. Village caché. Bienvenue à Tritown, le village caché de l'île. Ouais, donc il y a plusieurs villages. Déjà ça me fait plaisir. Je dirais qu'ils ont fait un mélange d'un peu tous les Shantae. Je préfère les lézards. Et alors, est-ce qu'il y a la course de lézards? Le chef aimerait bien te voir. Il t'attend à l'intérieur. J'ai pas envie. Ouah, une étrangère! Comment as-tu trouvé notre village? J'aime les fleurs et les arbres. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'avec le nouveau pouvoir, là... Pouah, elle est stylée, elle! Ces œufs curatifs proviennent de la falaise dans les hauteurs. Certains disent que ce sont les larmes des touristes qui pleurent le sel des joueurs. Mince! Les chambres sont vraiment si mauvaises que ça au sommet. C'est la chambre de Vera. J'ai du mal à croire qu'elle est vraiment partie. Qu'adviendra-t-il de Tritown dans sa génie, sans sa génie gardienne? Donc elle était venue, c'était d'ici qu'elle provenait. Mais il y a encore les plans chelous là. Ça c'est sûr, c'est un truc que je pourrais faire, je vais pouvoir faire quelque chose. Elle est en 3D, elle est machin. C'est pas une plante normale.
Elle est là pour que plus tard tu lui fasses un truc. Nous maintenons la cité engloutie scellée sans exception. Nous avons peur des choses qui vivent dans les profondeurs. Quoi, lui, il est stylé. Notre peuple est particulièrement fier de ses talents en danse. Nous sommes également très fiers de nos talents de couvre-table. Nous avons créé un mini-jeu basé sur un des deux de ces deux talents. Oh, j'espère que c'est sur le comptable. Je le veux, lui. Pardon, l'académie de danse est fermée par ordre du chef. Tu veux bien lui donner lui tenir un mot de notre part. Il est dans la hutte là-bas. Ok, j'ai pas le choix que de lui parler. D'accord. Ah, ça c'est cool, le background. Ils ont fait vraiment l'effort de faire la tente rouge. Ça c'est vachement cool. Viens découvrir les objets de notre boutique d'objets. Pouah, le marchand, il est stylé. Ils ont fait plein de PNJ stylés, hein, c'est vachement bien. Tu trouveras ici des objets utiles. Ah, ils ont fait plein de trucs. J'achète le shampoing. Les dégâts maintenant. Là, ça va devenir... ça va devenir un gorille, notre perso. Ah, est-ce que j'ai débloqué un téléporteur? Bon, bah super. Vas-y, on va parler à lui. Qui es-tu? Comment as-tu trouvé notre village? Oh, tu es une demi-génie. Tout comme ma fille, Vera. Ma douce Vera. Ah, donc toi, t'as copulé avec une génie. Elle a été emmenée par ces choses. Pendant des années, mon peuple a été obligé de se cacher. Les choses des profondeurs. Elles redoutent la lumière du soleil. Mais quand la lumière se couche, elles viennent à la surface. Elles se cachent dans la brume fantomatique. Ceux qui sont pris ne reviennent jamais. Vas-y, danse et amuse-toi. Réjouis-toi de la sécurité qu'apporte la lumière du jour. Mon cœur est avec Vera. Bah attends, je vais la chercher. J'ai ouvert l'institut de danse. Danse et amuse-toi. D'accord. Bah voilà. Une histoire qui finit bien. Attends, je veux juste voir c'est les téléporteurs, si ça a débloqué le téléporteur de cette ville. C'est une salle de téléportation. Grappe sur la plateforme de ton choix pour te téléporter. Voilà. Pourquoi je peux pas me TP? Ah, mais parce que d'accord, c'est bon. Je sais pas si je suis obligé de le prendre. Je suis stupide. Ça sera le téléporteur pour aller justement à cette ville-là. Par contre, ça fait peur. Il y a pas l'air d'avoir la place de beaucoup de téléporteurs. Quoique, tu peux en mettre un à droite, un en bas, un au milieu, un peu plus bas. Tu peux faire en sorte que le mur se pète et il y a une autre salle. Mais bon, j'en doute. J'en vois bien encore. 1, 2, 3, 4. Ça ferait pas beaucoup de donjons. Le jeu, c'est les 7 sirènes, tu vois. Ce serait bien 7 donjons. D'ailleurs, on a croisé une sirène et elle nous a rien dit. Dans le donjon là, on a tapé le boss et puis voilà. L'académie de danse est ouverte à tous. Prêt? Oui. Voici les règles. Quand la musique se lance, le déhanché sauvage commence. Prends la pose, essaye de toucher les cibles en forme de masque au-dessus. Les plus gros masques rapportent les plus gros gains. Fais voir ce que tu veux. Quoi? Prends la pose déhanchée et shoot des masques. Ah d'accord. Ah, je l'ai raté. Prêt? Ah, c'était le tuto?
Nice. Je suis nul. Ah, je pensais qu'il allait s'arrêter. Je l'ai eu. J'ai pas vu combien il valait. Toi, mon gars, je vais pas te rater. Non, il s'est arrêté, il a fait demi-tour. Non, j'étais trop vite. J'ai trop pré-shot. Attends, mais pourquoi j'ai tir infini, là? Terminé, tu obtiens 15 gemmes bonus. Pouah, c'est trop stylé. Tu penses super bien, parlons. C'est pas tu dans une façon si bizarre et merveilleuse. Je sens le vrai espoir dans ton cœur. S'il te plaît, dis au chef qu'il ne doit plus s'inquiéter de rien. Ah mais moi c'est ça que je veux là. Ouais d'accord, on va partager ton espoir au chef là. C'est sans espoir. Je ne reverrai jamais ma fille Vera. Chef, cette jeune fille a montré qu'elle portait le vrai espoir dans son cœur. Une joie spéciale se cache dans ses pas, de danse étrange et ondulée. Une joie qui nous apporte de l'espoir pour demain. Qui transcende même la stricte recommandation d'âge. Quoi? Mais qui surtout nous donne le courage d'affronter nos peurs et de parler avec du texte en gras. Je dois aller le dire aux autres. Souriez, chef. Souriez pour votre fille. Elle a raison. Je ne vois pas pleurer pour ma fille. Elle est encore en vie. Je peux le sentir au plus profond de mon cœur. Jeune fille, je te remercie pour ce cadeau d'espoir. Accepte ceci. Objet inutile. C'est un objet inutile. Je l'ai reçu en cadeau de mon propre père. Je ne l'aime pas. Il ne sert strictement à rien. Et pourtant, je sens que toi, tu vas lui trouver une utilité. Mon cœur t'accompagne. Ah, ça, c'est les bons cadeaux, tu vois. Ce cadeau. C'est de la chiasse, donc je te l'offre. Ouais, ça ressemblait à une clé, j'ai compris. Ah, elle a pas changé de dialogue. Ouais, elle est stylée, elle. Moi, j'y ai déjà parlé, mais elle est stylée. Alors, le mot écouti ouest sont écrits dessus. Ok. Moi, je veux danser, je veux gagner le truc. Voici les règles. Quand la mêlée a 1, prends la pause, essaye de cibler les masques dessus. Plus le machin, de voir ce que tu vaux. Est-ce que je dois juste shooter tous les masques ou est-ce qu'il y a moyen de shooter, de faire un scoring, etc. quoi. Ah, il s'est arrêté pile au moment où j'ai lancé. Voilà, chais. J'ai raté. Ça valait le coup de toucher le gros masque. Attends, mais est-ce que je gagne de l'argent quand je tire, là? Bon, pour le moment, j'en gagne pas. Ah oui, j'en gagne. Ah ouais, donc il y a moyen de rentabiliser le truc, quoi. Attendez. Ah non, ça a touché. Plus qu'un. Il est où? Yes! Je crois que j'ai gagné un peu d'argent. Mais comment je gagne son calamarqueur là? Est-ce que faut que j'utilise ma danse? Il met la pression le truc.
Il y a sûrement un truc pour le gagner. Faut le faire plusieurs fois. Ah là là. On rentabilise, hein. Nice, c'est rentabilisé. De toute façon, fra. Et si je termine, j'en ai 20, donc c'est pas mal. Oh, ça l'a touché, hein. Je pensais qu'il allait faire demi-tour plus tôt. Pas mal. Ok, plus que 3. Ça l'a touché du du dessus, mon gars. Plus qu'un. Soyons économes. J'allais dire soyons économes. On l'aura. Maintenant. Ah, derrière. Voilà. On a triché. 15 gemmes bonus. Pouah, c'était nul. Tente le round 2. En vrai, pour farmer l'argent, faut juste farmer. Tu fais le premier round à l'infini et voilà quoi. Ah non, par contre, j'abuse hein, de faire ça. En fait, il y a moyen de le faire en deux rounds, je viens de voir. Si tu fais que des bons tirs, pas comme moi je fais. T'as moyen de rentabiliser le truc. Et peut-être que si tu le fais en deux tours, tu as le calamarqueur. Ça serait logique. Voilà. On va réessayer. On va essayer de faire ça. Donc au début, on peut bourrer. Le jeu nous autorise. Fais quand même attention de ne pas tirer dans le trou là. C'est les petits les plus durs en vrai. Ah là, j'en ai raté un, donc c'est perdu. Dommage. Oh, j'ai réussi à tirer à côté le moyen. Tu obtiens 40 gemmes bonus. Ah ouais, c'est vraiment par rapport au nombre de tirs quoi. On va essayer de tirer que dans des petits là. Ça, ça sera plus simple pour la suite. Nice, j'ai tiré dans un moyen parce que j'ai paniqué. Ah, je voulais shooter celui-là, c'était le plus dur mais. J'en ai tellement raté. Je suis dégoûté. Oh, mais pile poil entre deux quoi. Ok. Celui-là, on attend qu'il fasse demi-tour pour pas se faire avoir. Là. Voilà. Bon, petit à petit ça vient. Et l'argent vient aussi. Là ça va être le farm infini du mini-jeu. Mais non, mais je rate quand il y en a un million quoi. Voilà que je bourre.
Non! Je veux me venger. Ah, mais c'est ça que je vais faire! Je fais le round 1. Je dégomme le gros masque. Ou j'essaye de l'éviter. Comme ça, c'est remboursé. Ah, je sais ce que je vais faire. Je sais comment tryhard facilement. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il y a le chargement. Quoi, mais je veux ce skin-là, moi, quand je joue. En mode Aloha. Ah, j'ai tout touché celui de 10. Bon, maintenant. Hop, round 2. Il y en a un là, il est au milieu, il me fait peur. Je l'ai eu. Ceux qui suivent. Je l'ai eu. J'ai tiré un peu. Voilà. Et les deux qui suivent là. Sur leur retour. Non, j'ai tiré tellement trop tôt. Voilà, bon bah tant pis, hein. Là, ils font demi-tour. Là, je vais pas l'avoir comme ça. Ah, je suis pas synchro avec lui, j'aime pas. Bon, 50 gemmes. Ouais, je pense vraiment qu'il faut faire un perfect de ouf. Ah, je peux tirer. J'ai raté. Donc j'ai shooté le gros masque. J'ai raté le gros masque et je recommence. Je l'ai déjà raté, donc pourquoi s'embêter? Je pense vraiment qu'il faut faire un perfect. Enfin, c'est même sûr. C'est les petits masques là. Je me rate trop dessus quoi. Faut juste que je time. Mais quand il y en a plein, j'ai du mal à bien visualiser le moment quoi. Alors qu'en vrai, tu vois, il y en a plein, tu bourrines. Il y a une chance sur 1000 de passer entre deux. Déjà en mode j'opte pour la suite et voilà. Je voulais dégager celui qui était tout seul. J'ai envie de dire au pire ça fait de l'argent hein, mais c'est dommage quoi. Il est marrant le background. Voilà. Mais voilà quoi, je commence à avoir le coup de main, c'est juste vraiment. Ah, j'ai tiré sans le vouloir. C'est un setup. Voilà, je l'ai eu. Maintenant, il reste plus que deux petits. Et deux, un. Là, on va juste essayer de dégommer les masques au pif. Autant qu'il fasse demi-tour. Voilà. Je sens que j'ai raté le dernier, je me connais. En plus, c'est un moyen. Yes! Mais j'ai pas eu le truc, mais c'est nul. Revenir d'A, c'est Chantae 5. Il y avait un mini-jeu, je pensais que j'allais gagner le. J'ai fait un perfect et ça m'a juste donné de la thune. Ah, si, elle m'a donné le calamar en forme de cœur. Reviens danser avec nous à l'occasion. Et ben voilà. Ça c'est fait. Ouais, je viens de tryhard le mini-jeu. C'était magnifique. On va en profiter pour acheter des trucs.
Bon, bah, on va booster notre attaque quasiment à fond. Ça, quand on reviendra, on mettra ça et pouah, on sera invincible. Premier streamer FR sur Shantae 5. Je suis peut-être le seul aussi. Le jeu, il est sorti aujourd'hui. Les gens, ils sont en mode non. Xenoblade, et encore même Xenoblade, ils sont en mode non. Laissez-nous sur Fortnite. Vous êtes deux? Ah! Par contre, je viens de tilter, il n'y avait pas de donjon à gauche. Enfin, la suite était pas à gauche par hasard. Après monde, t'as deux chaînes, une à 2200 et l'autre à 1200, puis le troisième c'est 15. Ouais, c'est souvent comme ça. Bah regarde Alti sur Xenoblade. Il y avait 3000 viewers total. Enfin 3005 je crois, et genre t'avais une chaîne à 3500 et les autres 10. C'est comme Grand Blue. Le speedrunner du jeu et les autres. Mais le jeu il est vachement cool pour le moment. Il est plus nerveux que le 4. Même moi j'y suis passé alors hein. À quand la caméra sinon? Je... Non. Enfin le problème c'est que j'aurai un fond vert peut-être, mais moi ce qui me dérange avec la caméra, c'est que ça prend de la place. Je sais pas pour un non-cam moi. Non non mais moi c'est... Je suis pas team caméra. Les formes sur cet objet inutile correspondent au marquage de l'écoutille. Tu verrais la mienne. Biome mousseux. J'aurais dû me soigner. Non, en fait, j'ai perdu mes points de vie sur la route. Bon, alors là, c'est cramé qu'on aura le pouvoir de la nage. Hein. Quand le donjon, il commence avec de l'eau. C'est quoi ce truc? On dirait qu'il manque quelque chose. Attends, mais j'ai eu ce pouvoir-là, moi. Ça, rien changé. Ouais, non, y'a rien. Qu'est-ce que cette chose? Je peux interagir avec? Attends, y'a un truc qui me tape là. Un monstre invisible, c'est ça? D'accord. Ah ça va être relou. Pour ça que j'aime pas que les jeux où il y a des trucs invisibles comme ça, cette force à utiliser. À spammer le pouvoir pour vérifier s'il y a rien à chaque fois. Donc voyons voir une pépite. Allez, les monstres invisibles en repop en plus. Juste me soigner. Je trouve qu'on a trop d'objets de soins.
en bas j'y suis pas allé. De l'autre côté c'était la zone avec de l'eau. Ici il y a quoi? Une grotte. Une grotte c'est toujours un petit truc pour les... calamarqueurs. Ouais, chargement, c'est un petit problème quand même. Hein. Regarde ma caméra, tu verras, elle prend pas de place. Je te l'ai MP sur Discord. Attends, j'ai le tab rapide. Je préviens parce que ça mute le jeu vu qu'il est en full screen. Elle est où ta caméra? Ah oui, non, non, je parle pas de sur mon écran. Je parle sur le stream vraiment en fait. Ah non, non, j'en ai une webcam. Hein. J'ai une Logitech 920 là. Coucou. Hein? Mais c'est sur le stream en fait. Même tu vois quand LT faisait du Xenoblade. Bon, moi je sais que je switcherai rapidement de mode scène pendant les cinématiques. Mais je sais pas, c'est... Moi j'aime bien voir l'image totalement. Fond vert simulé. Hein, qui est là? Mon oncle? Shantae! Qu'est-ce que tu fais derrière le mur? Je te cherchais partout depuis que tu as disparu. Tu n'es pas blessé au moins? Non, mon oncle, je vais bien. Ouf! J'ai quelque chose pour toi. Ça pourrait t'aider à trouver les autres filles. Il y a une ouverture dans le mur ici. Je vais... Oh, le faire passer dedans! Une poignée. C'est quoi ce truc? C'est une poignée de vanne. Les gens les utilisent pour résoudre des énigmes sur le thème de l'eau depuis des lustres. Poignée de vanne, tradition à l'état pur. Si tu le dis. Pouah, c'est bon, on est dans le donjon de l'eau. Donc on a la poignée. Même si ça bug à moitié, ça prend beaucoup moins de place et ça reste assez propre. Je verrai peut-être un jour, je ferai ça. Pas sur tous les jeux. Attends, ils se planquaient là-dedans les trucs là. Oh, y a rien de planqué. Tellement la tristesse, Red Dead. Ah, je me suis pas fait spoiler l'histoire de Red Dead. C'est juste qu'il y a. Bah, vu que c'est thème cowboy, tout ça, je sais qu'il y a une partie où le jeu s'assombrit, c'est tout ce que je sais. Mais je le ferai à un de ces quatre. Là, comme je disais, Alki, je suis en train de faire le mode d'histoire de GTA V. Je trouve ça sympa, mais voilà quoi. Les missions, elles sont assez, assez linéaires dans ce que tu fais. Il veut pas que tu partes ailleurs. Ah, t'as pas trop le choix dans ta mission. Si tu tues le mec sans le faire, enfin, si tu tues un mec et que le jeu voulait pas, il te fait ah non non non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Alors ça s'abuse, pas pu venir avant, je téléchargeais Borderlands 2. Bah oui oui, bah là le jeu il est vachement bien. Moi c'est tout ce que j'aime et il le fait bien. J'ai une poignée. Voilà, j'ai pu monter le niveau de l'eau, le temple de l'eau en sueur. Il faudra bientôt baisser l'eau pour refaire redescendre les rochers. Je me souviens plus du temple de l'eau exactement, mais je pense que si je le referais, ça irait. Ah, il y a encore elle. Attends. Ouais, elle a une sorte de queue de crevette, elle est chelou.
Ouais, c'est une crevette sirène. Même son soutien-gorge, c'est des petites pattes. Voilà, et quand je m'approche, elle se casse. Attends, mais ça fuit là. Et je l'ai récupéré, Borderland collection là. Je sais plus quoi. Elle a des antennes aussi. C'est pour ça que c'est la meilleure waifu. C'est pas c'est qui, mais c'est bon, c'est confirmé, elle a des antennes. Non mais, est-ce que les cartes que j'ai en trop, je peux les vendre? Ah, on va aller au plus profond de la grotte. J'avais déjà réfléchi à mettre la webcam juste pour Monster Hunter ou ces jeux-là. Les jeux du farm à l'infini, quoi. Genre Isaac, quand il y aura l'extension, je la mettrai peut-être. Vu que c'est des jeux que je fais à l'infini. Enfin, c'est des jeux que je joue à l'infini, quoi. Si pour l'argent, je peux déjà acheter la dernière amélioration de du fouet. Oula! Et la musique est vachement cool! Comment on le tue? Ah, mais arrête de rouler! Attends, je vais rester au loin! Mon gravalanche, tu fais quelque chose? D'accord, faut attendre qu'il crache? Non, il doit faire des patterns au pif, je pense. Exactement. J'ai essayé de comprendre l'ennemi, il a fait. Arrête d'essayer de comprendre. C'était quoi le guide démoniaque passé avec Rimu? Bah c'était juste le fait que je streamais pas hier et c'est pour ça que j'ai pas stream hier. Ah! Un puzzle. Pour avoir une clé. Ouais je veux bien mais je peux le diriger dans quelle direction? Donc ouais je peux faire ça. Attends ça déplace les deux du dessus. Enfin les, celui du bas et du dessus. Donc le seul moyen que j'ai pour aligner, c'est de faire ça. Bah non, puisque... il faut que je fasse ça. Et que lui, je le mette là. Ah oui, mais non. Ah si, je vois. Ah, mince. Par contre, pour toucher le truc, c'est pas pratique. Plutôt avec celui-là comme ça. Ah là c'est bon mais comment je l'active? Ah je m'agrippe. Mais encore. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Parce que pour moi là c'est bon. L'énigme est réussie, mais il y a... Maintenant, c'est l'activation, je vois pas. Parce que je présume que le délire, c'était de faire un tuyau pour que ça fonde jusqu'à l'épée. Ah, je maintiens bas. Peut-être plus simple comme ça. Ah, c'était vraiment le bruit à la DuckTales. Il va streamer un jour sur deux. Non, non, mais c'était vraiment pour Shantae. Je voulais le doser à l'infini. Donc j'avais prévu... de faire ça quoi. Nice. J'avais peur que si je saute avant je me prenne les pics sur le côté et donc timer un truc précis, mais en fait il n'y a pas besoin. Ça.
Marrant. Des petits rebords, on pourrait se dire il y a quelque chose, mais non. Je peux pas les tuer ceux-là? Même avec un pouvoir? Quoi? Ah, j'ai compris. La danse du casseur d'aimant pour attirer les joyaux, elle les déshabille. Je me disais, des ennemis invincibles quand t'as pas de magie, c'est la tristesse. D'accord. Ça je veux bien, mais par là, pouah, j'ai eu de la chance. Bon là j'en ai eu moins. Terrible ça. Voilà, l'art de bourriner ça gagne toujours. Attends, j'ai envie de tenter là. Forcément un truc planqué là. Paraît bizarre ça. Une autre clé. Moi Jirimu va quand même vouloir passer du temps. Elle va pas supporter full focus de ta part sur Shantae. Ça se peut. Mais dans la vie, il faut savoir faut savoir assumer ses choix. Allez, tombe. Je suis sûr il y a un truc pour te tuer. Quoi, les réflexes. Les mauvais réflexes au carré. Par là, il y a quoi? Mais... Encore une clé. Il n'y a pas de secret en bas. Et là, je peux pas y accéder. Je devrais pas tarder à trouver le pouvoir pour creuser. Ah, dommage. Va falloir attendre. Oula. Ah, je pouvais descendre. Je pensais qu'il y a... Oui. Je peux pas passer, là? Parfait. Y'a rien de planqué, là? Non, de toute façon, c'était un endroit pour se cacher. Merci. Ça devrait être bon, là. J'espère qu'il va pas me redemander une clé en me disant « T'as pas fouillé la partie du haut ?» Ah, il y avait un truc planqué, je suis sûr, au-dessus. Alors, voyons voir. Qui bouge? Lui tout seul, lui tout seul. Ok, c'est facile, alors. Celui du dessus ne peut que faire ça. Donc ça. Ça. Et après, le... Ah oui, mais non, je viens de tilter que... Donc, faut que celui du bas, il fasse ça. Celui-là, ah, il peut pas. Donc ça, et celui-là, ça. Au début, j'avais pas vu que le truc, il était pile poil. Enfin, il était décalé par rapport à la clé, quoi. Le cracheur de feu. Ah, il bouge. Un homme qui essaye de rusher et le jeu lui dit non. Tiens, pour la peine, j'ai pas envie de te voir. Rah. Ah, après le dash, tu peux pas taper. Encore ici. Par geste, microbe. C'est son nom. Alors tu n'es pas la personne qui se cache derrière ces enlèvements. Ça doit être donc cette chose que j'ai vue plus tôt. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Et où sont les autres? Est-ce que tu demanderais à Riskyboot, la reine des sept mers, de t'aider? Ha! Les vrais maîtres de cette île ne sont pas les balours qui habitent en haut, mais plutôt les ensorceleuses qui résident bien plus bas. Des ensorceleuses? Ah, elle a dit des sirènes, hein, j'ai entendu.
7 au total. 5 qui règnent sur leur propre domaine, une ratée en fugue, et une autre, une dont tout le monde refuse de parler. Oui, c'est bien. Rissi Boobs, plutôt. Si tu devais compter, si tu comptes sauver tes amis, tu vas devoir détruire les 7 ensorceleuses. Mais d'abord, tu vas devoir me passer sur le corps. Mais pourquoi on va se taper contre elle à chaque fois gratuit comme ça? Un petit versus. Au cas où un bas risky boot, perds pas. Sois pas nul. Alors là j'ai l'air bien. Backdash. Mais elle me marche dessus. Bon, je bourrine. On va voir si Castlevania. Si Castlevania m'a appris les bonnes bases. Voilà les bonnes bases. Poyostrat. C'est que tu peux être insistante. Ne t'inquiète pas, je suis pas venu sur cette île pour capturer tes amis. Ces ensorceleuses peuvent faire ce qui les amuse avec elles. Je suis à la recherche du vrai trésor. Tata! Le vrai trésor, de quoi elle parle? Petit burger. Pouah, le burger, il m'a redonné toute la vie. Ah, et l'autre, elle est là direct. C'est quoi son pouvoir déjà? Vera! Est-ce que ça va? Reprends tes esprits. Hein? Ouah! J'étais endormi. Ne bouge pas, je vais t'aider à sortir d'ici. On dirait que cette prison a été conçue spécialement pour t'enfermer. Comment tu te sens? Un peu désorienté, mais sinon ça va. Merci beaucoup d'être venu à mon secours. Là, j'ai quelque chose pour toi. Castérotope. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de fusion magique. T'en as déjà eu une, mais t'as déjà oublié. Elle te permettra de te transformer instantanément en une nouvelle forme. Ceci porte la marque d'une gastérotope. Une gastérotope? Les gastérotopes sont des fouisseurs qui se déplacent à travers la boue. Le One Piece, c'est ça. Grâce à ses capacités, tu devrais pouvoir localiser la source du mal en ces lieux. Je m'en occupe. Je te promets de faire tout mon possible. Puis sur une surface molle et avec elle pour creuser. Essaye, tu verras. Essaye pour voir. Oula, quoi? Ah oui, non, tu peux le faire à la croix, j'ai eu peur. Ouais, tu peux vraiment tout creuser comme tu le veux, quoi. Tu peux donc faire un dessin dans le sable. En mode ardoise magique. Je présume que ça, faut pas les péter. Ouais, tu peux pas les combattre. Mieux vaut les éviter. C'est quoi déjà le jeu Tu dois creuser mais pas te faire tomber un rocher sur la tête. Tomber un rocher sur la tête. Oups. C'est rien. Je l'attends à la sortie. Ah, oups. Ah, j'ai eu la carte. Ah non, il descend pas. Oups. Alors, voyons voir la carte. Ah, le donjon, il est pas grand. Donc en bas, c'est le boss. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Moi, je veux trouver mes 3 calamars. Donc, salut. Eh, mais j'avais raison pour le drill. Et si ça, c'est pas stylé. Je t'explique des fûts quand même. Je t'explique le lore. Tout à l'heure, je disais, je me demande ce sera quoi la transformation pour pouvoir grimper, parce que je voyais depuis un moment ces trucs-là, là. Le sable.
Et j'avais dit, vu que c'est le studio Trigger qui a fait les openings, etc. de ce Shantae 5, les cinématiques, j'ai dit, bah qui dit studio Trigger? Donc lui, ça peut que être lui, encore lui, et voilà. La victoire. C'est forcément Gurren Lagann, ça sera un drill. Et voilà, la victoire. Bon, j'ai aussi théorisé sur un singe qui creuse et une taupe à la Zelda. Donc voyons voir ce qu'il y a plus haut. Alors pourquoi il y a des secousses là? L'argent, toujours l'argent. La clefs. Oups. Bon là on maintient en hausse, ça sera bon. Hein. Merci pour l'argent. Hop. Il n'y a pas de carte Pokémon sur eux. D'accord, donc ça c'est bon. Attends, mais il y a un truc à gauche là. Dis-y un truc au sommet, réunion au sommet. Il y a un truc juste au-dessus là. Est-ce qu'il y a moyen de péter le sol là? Il y a une petite... Je pense pas. Ah mince, non, les deux bougent en même temps. Non. Bah non. Le décor me mentirait-il? Ou est-ce qu'il y aurait un truc que je ne verrais pas? Ah voilà. J'ai tilté quand j'ai dit il y a un truc que je ne verrais pas. Parce que j'ai le pouvoir de voir les choses invisibles. Cervela qui se réveille au bon moment. Donc là, il y a tout à gauche. Il n'y avait rien en haut. Non, il y en avait déjà un. C'est là que j'ai eu mon premier calamar. En haut, c'est la sortie. Les autres ils sont dans les deux salles que j'ai pas visitées, hein, y'a que ça. L'énigme n'est pas très grande. Donc là j'avais tué un mec gratuit. Merci. Quoi, c'est juste pour de l'argent? Ah non. Moi je peux. J'étais en mode réflexion sur la plateforme, mais non. Il y a une salle en bas que j'ai pas visitée. Je me disais. Un petit problème dans la matrice, mais non. Ouais, et au-dessus. Hop, salut. Ah, je peux pas l'avoir. Oh non, les pires trucs. Machin, il est là juste pour me dire tu m'auras pas. Pas moyen de prendre de l'élan ou je ne sais quoi là. Bon bah reviens quand t'auras le pouvoir de sauter plus haut. Hein. Je vais toujours confondre les deux machines.
Oula. Merci. Et la fin, elle est... Je peux passer par là. J'ai pas l'impression que ça fasse super mal les ennemis, les machins. Ce qui me dérange, c'est qu'au début, il n'y avait pas le choix de la difficulté. Et je sens que la difficulté, soit tu vas la débloquer à la fin, soit je sais pas. Il suffit de suivre ça. Eh salut. Ah, je les ai tous libérés. Bah comme ça, ils vont essayer de me suivre. Il va sûrement y avoir moyen de les tuer. De leur apporter quelque chose, non? Mince. Ça n'apporte rien. Y a rien de planqué en plus. Non, bah voilà. Ah, forcément. Pourquoi j'ai fait ça? Les crânes sont tellement arrivés en décalé que je me suis dit pas possible, il y a un secret que j'ai raté. Enfin, pas possible, il y a un secret en bas. Bon bah c'est parti pour le deuxième boss. Encore des ronces. Ok, un mecha comme ça. Elle est passée en mode mecha dans sa bulle d'eau, elle. Comme du beurre. Bon. Ok, je me... je me doutais bien qu'il y aurait un truc comme ça. C'est quoi, c'est Crash Bandicoot pour envoyer les bombes de l'autre côté? Ah non. Non mais faut juste se planquer dans l'eau, dans le truc. Bah non. Dans la terre. Attends mais là je pouvais la taper, j'ai raté. On est d'accord. La barre d'acheter, c'est ça. Par contre c'est son lancer de bombe, il y en avait 1,5 milliard. Ouais, je peux le taper à ce moment-là. J'ai pris 10 ans encore une fois. Après, il a peut-être pas beaucoup de points de vie. Ah, je suis passé entre deux en mode rien à faire. Je m'étonnerais pas qu'il fasse plusieurs tours à la fin. Ah! Ok. Bon, j'ai compris les bombes. Ouais, au moins j'ai bourriné. Donc moi ça me va. Bon, pour le moment, le boss, il se passe pas grand chose. Hein. Prévient très vite qu'il va dasher.
Il partirait d'un coup de l'autre côté et faudrait réagir. Bah vite, il a changé d'écran, je réagis, mais là tu le vois se préparer, puis il sort de son écran, puis il arrive de ton écran. Pas forcément rapide. M'en fiche, je l'ai bourriné. Là je suis bien. Ah bon bah là je le bouffe. Là, je me posais la question, on peut manger en combat? Ah oui, d'accord. Ah, je vais pas mentir que ce boss là il est un peu boring. Je vais invoquer les piques. Voilà, comme ça ça l'a touché. Je peux pas lui renvoyer ou faire un truc. Non non, c'est vraiment t'attends. J'active le pouvoir. Comme ça on bourrine un peu. Ça augmente les dégâts. Ah, il en a des points de vie, hein. Ah mince. Attends, je vais me soigner, hein. On va pas recommencer ça. Là, je suis en mode no-brain bourrinage, parce que j'ai hâte que ça se termine. Ça fait un petit alien à l'intérieur. Ah mais elle avait vraiment tout tartiné quoi. Je sais pas si ça fait quelque chose quand elle fait son levier là. Voilà, bon c'est bon, elle est morte. Ouah, il était pourri le boss là. Eh ben, tu avais raison sur cette magie de taupe. Je ne savais même pas que ça pouvait me transformer comme ça. Alors, on m'a dit qu'en travaillant ensemble, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Et Blink m'a dit exactement la même chose. Blink? Elle est en sécurité, elle est déjà rentrée à Arena Town. Quel soulagement. Et Harmony et les autres? Eh bien, je vois. On les trouvera. Si seulement j'avais mon amulette porte-bonheur. T'as quoi? Je la portais toujours autour de mon cou autrefois. Mais un jour, alors que je nageais, une grande vague est venue et je ne l'ai plus revue depuis. Pour un porte-bonheur, on peut pas dire qu'il t'aura porté chance.
Si j'avais cette amulette porte-bonheur, je pourrais t'aider à trouver les autres. Si tu la trouves, apporte-la-moi à Treetown. Bonne chance! Et elle se TP pendant que nous on marche. Il fait quoi lui? D'accord, bah je le dégage gratuit. Et qui fouille tranquille, il fait sa vie, tu te ramènes une tarte. D'accord, je veux bien sauvegarder, mais m'a foutu où le jeu là? Ok, ma sortie ici, je peux m'amuser à visiter à droite. Il y avait la souris sur l'écran, je viens de voir. Ouais, elle a la part pop. Elle fait quoi la carte du monstre cactus là? Elle subit. Ah oui, d'accord. Lors du contact avec les pics? Ah oui, non, je meurs, mais je perds pas de vie. Ça je l'ai, ça je l'ai pris. Ça fait quoi? Les fusées infligent plus de dégâts. Ok. Nage à toute vitesse. Ça c'est stylé. Les autres c'est pas terrible je crois. Je préfère les trucs utiles. Les trucs qui boostent les petites magies comme ça. Là je peux pas nager sous l'eau. Ah wow. Je m'attendais pas à rencontrer d'autres personnes ici. Je fais partie de l'équipe scientifique du Metal Fish. Là je teste une théorie. Tu vois, quand les jours d'une sirène prennent fin, ces écailles tombent au fond de l'océan. Au fil du temps, les écailles s'enfoncent dans le fond marin et deviennent des fossiles. Ces fossiles déterminent une fois pour toutes si la sirène porte des écailles d'autres créatures. Ou si les sirènes sont... Si les sirènes... Oula, si les écailles... Pouah, j'étais parti loin. Si les écailles sont là depuis leur naissance. Comme une sorte d'exosquelette. C'est pour ça que j'ai fait sirènes. Je crois que certaines... Je crois certainement en cette dernière hypothèse. Si tu pouvais me rapporter 6 écailles de sirènes, j'aurais les données dont j'ai besoin pour valider ma théorie capitale. Tu trouveras des écailles de sirènes dans la partie la plus profonde... des sables océaniques. Si j'avais une carte comme la tienne, je regarderais mon sous-écran tout le temps. Et ils me disent tout ça. Donc le mec, il veut que j'y ramène une écaille de sirène. Le truc, c'est que c'était de l'autre côté qu'il y avait des machins. Oula! Il y a plein de petits points, là. Ok, le... Encore une plante chelou. Des crabes bleus qui sont plus forts que les rouges. Ça, on est d'accord que je peux pas creuser dedans. Non. Il me faudra le super pouvoir de la TNT. C'est une salle de téléportation. Grimpe sur la plateforme de ton choix pour t'y téléporter. Ah voilà, j'ai débloqué un autre téléporteur. Que là ça commence à faire beaucoup. Ok, donc eux ils s'amusent hein. Hop, salut. Ah, ça c'est pas mal. Comme ça, je peux refaire le tour. Un petit setup comme on les aime. C'était pour voir s'ils avaient pas une carte pour moi. Ah bon, par contre, faut vraiment que je regarde si on peut vendre les cartes de monstres là. Attention, pas le saut de trop, merci. Là j'ai pas accès. Je voulais juste voir où je suis. Activer sans faire exprès le pouvoir.
crabe doré. Ouais, d'accord, ça donne aussi la carte du monstre crabe, donc aucune différence. Hop, je ramasse ça. D'accord, donc tu le ramasses uniquement quand t'as pied, quoi. En deux coups. Ton en boîte. Ça, je peux toujours pas interagir avec ça. Ouais. Je voulais vérifier s'il n'y avait pas de truc à faire. J'ai combien de pépites moi? 5. Je pourrais avoir la carte de l'autre, tiens. Je présume que là, toutes les profondeurs vont se rejoindre ensemble. On va éviter d'activer celui-là. Lui, on n'a pas le choix, donc on va faire ça, ça, ça. Ah, c'est pour une autre pépite. Ok. Salut. Voilà. Là pour le moment tout va bien. Quoi ces profondeurs de la vibration? On est dans une autre map? Ah oui. Ah donc j'ai raté le passage de gauche. Droite. Je confonds. Je le dirai jamais assez mais je confonds. Quoi? J'ai ramassé un truc là? Combien de calamars? 7. On va pouvoir se faire des vies. Ça va, je suis passé. Je présume que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, mais... Voilà. Le bon forcing à l'ancienne, c'est ça qu'on aime. Un de caché. Le problème c'est que y a des objets qui sont planqués au pif comme ça. Bon, ça c'est pas grave, bonjour bonjour. Encore une plante hein. Des ennemis invisibles. Je viens d'activer le pouvoir. Ah on la voit briller. Voilà. La suite. En bas, là c'est pour une plante, je peux rien faire. Sûrement un truc à faire et de 3. En bas, il y a quoi? Je peux pas nager donc tant pis. Que ça va faire comme Zelda, si t'as, quand t'auras l'écaille tu pourras plonger. M'étonnerait pas tiens. Ah, je l'ai one shoté. J'ai déjà la carte, j'ai déjà assez de cartes.
peut-être ça rejoignait juste le dôme. Quoi? Qu'est-ce qui m'a tué? Une pique invisible? Ouais, le problème c'est que j'ai juste un truc ça. Il y a clairement un truc qui essaye de me sniper là. Ah, le problème c'est que dès que je fais ça, ça fait le dash. Ok. Quoi? D'accord, j'ai juste pas accès. Si pour l'argent. Hop! Allons voir ce qu'il y a là-haut. Hop! J'ai une écaille au pif. S'il y en a une, bon c'est pas grave, on va faire un petit tour, voilà, un petit tour. Encore une plante. Voilà, par la gauche j'y avais été ou pas? J'avais juste pas dévoilé la map. Ah c'est vraiment trois tubes comme ça? Ah non. Voyons voir, y a-t-il un truc Je peux pas nager sous l'eau donc je peux pas remonter par là. Hop. Je peux redescendre. Allez là. Là, 6 sur 6. Plus qu'à retrouver le l'autre mec. Et une petite pépite. Donc il était au-dessus, il était où? Au croisement peut-être? C'est lui l'étoile peut-être? Salle de téléportation. Il va être relou à retrouver. Et les objets? Apporte là notre scientifique, ouais je veux bien mais... pas noter sa position moi. Il est dans la zone verte c'est sûr mais où? Et d'accord ouais. Ça rejoignait bien les zones entre elles. Mais le problème, c'est que j'ai pas le pouvoir de la nage, donc je peux pas y accéder par là. Il y avait une zone à gauche, enfin à droite du... tout en haut, dans la zone bleue, là, au-dessus de moi. Plein de zones que j'ai ratées. Ratées ou j'avais pas l'accès? C'est un autre débat. C'est toujours gratuit. Voyons voir. J'avais pas l'accès. Bon, faut pas chercher. Pour le moment, il y a des murs, il y a de l'eau, je peux pas plonger, etc. Faut faire le 100% après. Par contre, ici. Nice. J'ai pas vu qu'il y en avait une qui tombait tous les 10 ans. Pas le choix que de passer par là. Là, il y a juste à suivre le chemin que j'ai creusé. Hein. Voilà, on évite juste les monstres. Non, là, c'était le secret. En fait, les petits sons comme ça, ça me rappelle At In Time. Peut-être le même compositeur. Pour ces trucs-là. Pouah là 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 là, ce génie de la frame. Bon bah voilà, j'ai parlé. Il était là. Je pense pas. Je pense qu'il était même pas dans la zone verte.
C'était pas par là. Que ça, c'est une zone où je suis arrivé après. Tellement de trucs pour me soigner, c'est abusé. Oh, j'ai pas fait de gros farm quoi. Et j'en utilise, c'est ça le pire. Attends, et si je suis pas allé? Si je suis allé, je reconnais l'amphinobi là. Il était où le scientifique? Ah, il est là. Tu as trouvé les écailles de sirène. Est-ce que tu m'en apportes 6? Oui. Superbe. Je peux enfin utiliser ces données pour prouver ma théorie. Vérification. Traitement. Oh non. Déchiffrage. Et zut! Bon sang! Ces écailles viennent d'un beau marin! Ah bien, y regardez, tous du même, toutes du même. Bon, merci quand même, j'imagine que je dois te donner un quelque chose en retour là. C'est un truc que j'ai trouvé au fond de l'océan. Amulette porte-bonheur. Ah, bah voilà! Tu peux garder cette amulette porte-bonheur, qui sait, elle te protégera peut-être des malheurs. Hop! Plus qu'à retourner à l'autre ville. Tcha-tcha-tcha. Ah ouais, par là c'est le passage le plus rapide. Vu que la ville est juste à gauche. On va pouvoir y apporter. Et voir ce qu'on débloque. Ça m'a donné la vision. Elle va peut-être me donner le pouvoir de la sirène. Qu'est-ce qu'ils font des fouilles? Ça, pour choper les trucs, faut limite que tu préchottes sur eux. Non, je peux pas. Bon. Ah, y'a Bolo qui est là. Bah parfait. Mince, je me suis trompé, elle est où? Celle avec le... Le logo, c'est une enclume, un machin, là, un marteau. Et une paire de pinces. Squid Smith à votre aise. Je prends ces adorables calmars en forme de cœur et je les fonds. Pour te donner plus de santé. Prête à forger des conteneurs de cœur. Maximum de cœur a été augmenté de 1. Mais attends, j'en ai d'autres. Et voilà. Et de 6. Maintenant, on va claquer notre thune ici. Le méga shampoing, voilà, on a l'attaque à fond. On a juste débloqué tous les pouvoirs.
Ah, et attraction. Super attraction. Attraction max. Paf, pas le temps. Voilà, comme ça, il n'y a rien qui nous... Tout nous vient directement dans les bras. Il n'y a plus d'embrouille. Ah, mais en fait, les objets qui manquent, c'est juste ça. Dans l'inventaire. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y en a 4. Il y en a que 3. Ou 4. La potion, la super potion, la potion auto, c'est ça? Attends, il n'y avait pas une super potion qui augmente la vie et la magie? Peut-être dans la première ville uniquement. Bah, juste qu'on les achète pour l'inventaire. Attends, si ça se trouve, oui, c'est ça. Je vais en acheter une là. Une là. Bon, je vais prendre une potion auto, hein. C'est pas pour cheese le jeu. C'est vraiment juste pour l'inventaire. Voilà, comme ça, là, il n'y a pas d'embrouille. Elle est où elle? Elle est là. Je te suis reconnaissant à jamais d'avoir retrouvé ma fille, merci. Ah, il m'a donné de la thune. Les demi-génies sont une bénédiction pour ce monde. Attends, elle est où l'autre? Je l'ai raté? Il doit être dans un coin au pif. Le chef est de retour à lui-même. Et toi, tu collectionnes les cartes parce que j'ai une carte super rare pour toi. Mon prix est de 5 pépites. Qu'est-ce que t'en dis? Bah vas-y. Va l'échanger à elle. L'autre, il verra la prochaine fois. La carte des de monstres ensorceleuses de corail. Cette carte de monstre est une pure beauté. Regarde-la sur ton sous-écran. Tu comprendras ce que je veux dire. Ça va être dégueulasse. Voilà. La jauge de magie se remplit au fur et à mesure. Ouais, d'accord. Ça m'intéresse pas. La magie de base. J'utilise rapide. Ici, il y a quoi? Ah bah elle est là. Te revoilà. Comme tu peux l'imaginer, mon père était fou de joie de me voir. C'est la première fois que je le voyais et que je le voyais si heureux. Malheureusement, il n'y a toujours pas de signe de mon amulette porte-bonheur. Si seulement je pouvais la récupérer, alors je pourrais t'aider à sauver les autres. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu as trouvé mon amulette porte-bonheur? Je peux l'avoir? Non. Non, sérieux? Mon amulette a été fabriquée sur cette île. Elle est entièrement faite de pierres de fusion. Avec elle, nous allons pouvoir combiner notre magie et sauver Harmony et les autres. Ah, c'est quoi son pouvoir? Danse rafraîchissante. Incroyable, j'ai les jambes qui ont la bougeotte. Nos pouvoirs sont maintenant combinés. La danse rafraîchissante peut soigner tes blessures, mais aussi donner la vie aux autres. Merci. Danse jusqu'à ce que l'icône s'affiche et appuie sur O. Bien. Et si on l'essayait dans cette pièce? Ah, je peux soigner les... Ah bah super, maintenant que j'en ai croisé 100, tu sais, c'est bon. Voilà, tu pourras revenir un jour pour soigner toutes les plantes. Ouais, bah aller mourir. Et dire qu'une ensorceleuse vivait juste en dessous de notre ville, c'est horrible. Vera peut guérir les plantes pétries avec sa magie. Ah bah merci. Ah d'accord, bon, tout le monde est content. Pas de mec qui me dit la suite. Un homme bien habillé est passé par ici récemment. Il se dirigeait vers l'écoutille ouverte pas loin d'ici. Tu
devrais essayer de maîtriser la piste de danse. Il y a une récompense. Ah oui, d'accord, bah c'est bon. Et comment ça se passe le sauvetage? Bolo! Ah, tu devrais voir les collaborations du service room. Ce sachet de noix est si mauvais qu'on pourrait croire que ton oncle a déterré ça. Je me demandais s'il n'y avait pas un marchand sur la côte. Mais jusqu'à présent, rien, zip, nada. Je ferai n'importe quoi pour une tranche de toast Melba. J'ai pas de toast Melba, moi. Je sais même pas si ça existe. Eh ben, je suis désolé, j'ai pas ça. Ah, d'accord, on veut unir les peuples. C'était là, je crois. On va voir si avant la super potion, ou si je me suis imaginé des trucs. Ah voilà, s'il y a bien une super potion ici. Et voilà. Donc là j'ai tous les objets du jeu. Ça veut rien dire. Tous les objets de soins du jeu. Ah oui, ça fait comme dans l'ancien Shantae, ça t'affiche toutes les shampoings que t'as eu, quoi. Ok, donc maintenant le projet, ça sera de monter la magie à fond. On reviendra quand on sera riche. Ouais, il a notre t-shirt, il est stylé lui, j'avais pas vu. Je le répète à personne, j'ai vendu ma collection. Ma collection, oui, donc voilà, sauf une, mais j'ai plus 5 pépites, donc salut. D'accord. Tu sens bon comme une journée à la plage. J'ai mal à la voix. Parfois l'eau devient stagnante. Il arrive même qu'elle devienne toxique. Il n'y a vraiment aucun moyen de la purifier. Le vieil homme sur la plage, il ronfle avec sa bouche grande ouverte. La maman goéland aime bien le nourrir. D'énormes éventails sur la plage, à quoi peut-il bien servir? Peut-être que ce n'est pas dans notre intérêt d'aller le savoir. Ok, ok. Quelle change la vie quand tu dis Flink, ohé! J'espère que tu utilises ma magie de voyance à bon escient. Oui, elle m'a aidé à trouver Vera. Vera va bien? Oh super, je l'aime bien. Elle est un peu comme la grande sœur que je n'ai jamais eue. Flink? Je suis juste fatigué de toutes ces aventures. Accroche-toi, je reviendrai après avoir sauvé les autres. Pendant 2 secondes, j'ai cru que ça c'était une plante morte. Moi je veux voir l'autre là, qui ronfle tranquille dans la maison. Sky! J'ai déjà retrouvé 2 des filles disparues. Dit-elle en criant I. Hein? Ah oui. Oui. Pour de vrai? Moi j'attends. Tu sais ce que ça veut dire? Hein? Il est temps pour moi d'y retourner. Et moi quand tu auras retrouvé les autres, d'accord. Ah, c'est pas ce que je voulais. Pourquoi tous les boutons c'est pour lui parler? Faire un ronf comme un gros porc tranquille pendant que toi tu fais l'aventure. Bon, par contre moi je vais arrêter là. Je suis caput Draconis. Ça fait 4 heures, hein. 4 heures de stream, ça fera 2 VOD. Il y en aura sûrement une de 2h20 et une autre de 1h. Bon, on fera avec. Mais enfin, merci d'avoir regardé le stream en tout cas. Moi, je vous souhaite une bonne soirée.
Et je vous dis à la prochaine. Voilà, voilà. Allez, hop, je coupe. Tac. Le stream ou la VOD, bien sûr.